Hello les citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. OMG 15L, bonjour. Alors je suis désolée, le son du micro est différent. J'espère que ce sera pas trop dégueulasse. Normalement ça devrait être bon parce que c'est aussi un micro pro là que j'utilise. Mais en tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une imitation de pack. Voilà, donc c'est le pack celui-ci. Donc je suis désolée, je vais mettre l'anti-bug sinon je vais pas y arriver. Voilà, donc ça c'est l'imitation du pack du coup de ce mois-ci au moment où vous regarderez cette vidéo. Et du coup c'est un pack, moi je l'appelle le pack Bratz à cause des yeux. Et franchement dites-moi en commentaire si vous kiffez ou vous kiffez pas, parce que moi j'adore les yeux, j'adore. Et pourtant il y a des gens qui ont dit qu'ils n'aimaient pas. Mais moi les yeux là je les trouve super beaux. En plus j'ai vu des gens qui les ont pris en différentes couleurs. Donc on peut changer la couleur du fard à paupières et des yeux. Et c'est trop méga cool. Mais en tout cas aujourd'hui on est là pour faire l'imitation. Je pense que l'imitation, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu près potable. Parce que là on peut mettre des cheveux avec un béret à part pour faire la coupe de cheveux. Pour celui-ci on peut mettre un haut et un bas. Pour les chaussures, on peut trouver quelque chose d'un peu près ressemblant. Bon, comme d'habitude, on ne pourra jamais refaire exactement la même chose parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à ce que ce soit dans un pack. Mais écoutez, c'est parti. On va essayer de faire une imitation de pack à peu près correcte. Et let's go. Merci à Iluna. J'y arrivais, j'ai bugué. J'ai bugué, merci beaucoup pour ta salutation. Merci, merci. Et du coup, allez, on met ma MSP à poil, ma movie star à poil, voilà. Et c'est parti, on va essayer de trouver. Par contre, on va commencer comme d'habitude. Je vais vous mettre une image en bas à gauche ou en bas ou quelque part sur l'écran pour que vous puissiez voir le pack qu'on essaye de reproduire. Et j'ai bien envie de commencer par peut-être la robe. Ouais, peut-être la robe. On va partir sur la robe. Comme d'habitude, le dilemme, pas VIP, VIP. Je pense que c'est quand même bien d'essayer de faire... comment dire, faire une version VIP et non VIP de l'imitation. Mais moi, à chaque fois, je regarde vraiment si je peux faire quelque chose de non VIP. Si j'y arrive, je le fais. Sinon, je fais quand même du VIP. Donc voilà, pour le moment, j'ai trouvé ce haut-là. Il manque juste la petite fourrure. Mais comme je pense qu'on n'arrivera pas à trouver une version fourrure, pour le moment, je mets ça de côté. Et on va essayer de reproduire à peu près la même couleur. Je pense qu'au niveau de la couleur, on est pas mal. Maintenant c'est vrai que en plus de la fourrure elle est un petit peu pailletée, mais honnêtement je pense que trouver quelque chose de plus ressemblant que ça, ça va être super super méga compliqué. Je ne pense pas trouver mieux que ça. Je vais quand même regarder un petit peu, honnêtement je pense qu'on va finir sur ce haut là. Bon, après 30 pages j'ai lâché l'affaire. Bon, techniquement le bas qui va avec ce haut là c'est celui-ci. Maintenant faut que je remette la bonne couleur. Il me semble que j'ai utilisé celle-ci mais je suis pas sûre. Non, c'était celle-ci, voilà, c'était celle-ci. Le problème, c'est que celle-ci, elle est ouverte sur le côté. En soi, c'est pas super dérangeant, parce que ça change pas non plus de grand chose. Par contre, il y a un truc qui me dérange, c'est que... il me semble que dans l'un des derniers thèmes, ça doit être celui-ci ou celui-ci d'avant, je ne sais plus, dans l'un des deux. Je crois que c'est celui-ci, ouais. C'est celui-ci, il y a un piercing au nombril qu'on peut acheter, alors je sais plus, il me semble que c'est celui-ci, voilà, voilà. J'aurais bien aimé prendre ce piercing au nombril pour justement faire un peu comme sur le pack, parce que si on regarde bien, il me semble qu'il y a un petit sorte de bijou de nombril, je ne sais pas trop comment appeler ça, est-ce que c'est un vrai piercing, je ne sais pas. Mais le problème c'est que la jupe là elle est un peu trop haute et du coup ça matche pas. Je vais voir ce que je vais me décider et je vous dis ça tout de suite. Pour le moment, on est sur quelque chose de full non VIP. Ce serait bien de rester sur cette lancée-là. Vraiment, ce serait cool qu'on arrive à faire un full look imitation du pack, mais en version non VIP. Et d'ailleurs, au passage, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de section jupe dans les bas. Ouais, je sais quoi, ça, regardez, il y a tous les bas. J'ai regardé tous les bas, pantalons, collants, shorts d'hiver. Il n'y a pas de jupe. On peut pas, je suis obligée de regarder par catégorie, toute la catégorie, juste pour rechercher des jupes. Je suis tristesse. Alors je suis tombée sur cette jupe, pareil, elle est un petit peu trop haute, mais elle change, mais je pense qu'elle fait, elle est mieux que la première. Alors attendez, c'est quelle couleur exactement celle-ci, il me semble. Bon, de toute façon, la couleur, je pourrais l'ajuster à la fin, mais je trouve qu'elle est un petit peu mieux que la première. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas ouverte sur le côté, et du coup, il me semble qu'elle est un peu plus courte et elle ressemble peut-être un petit peu plus. Donc je pense plutôt me tourner vers ce modèle-là de jupe. Pour le moment. Pour le moment, si je trouve pas une jupe un peu plus vers le bas pour qu'on puisse voir le piercing de nombril, on va partir sur celle-ci.
Je viens de recevoir une salutation de Roselia et là je vois qu'elle a le pack. Mais je voulais vous le montrer parce que vu qu'elle l'a pris en différentes couleurs, je trouve qu'en gris et en noir, le pack il est beaucoup plus joli qu'en rose et en blanc. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous préférez en version rose et blanc ou noir et gris. Moi j'aime beaucoup en noir et gris, je trouve que ça fait vachement beau. En tout cas merci beaucoup à toi pour la salutation. Et là en même temps je suis tombée sur cette jupe là, j'ai envie d'essayer donc l'ancienne, là celle-ci je l'ai achetée au cas où, je l'ai dans mon armoire et je pourrais me décider. Mais vu que celle-ci elle est, comment dire, elle est diamantée, enfin... Elle brille quoi, et ça c'est cool, donc je vais me la mettre de côté et puis on se décidera de laquelle on mettra à la fin. Bon, je vous avouerai que j'ai eu un petit coup de cœur pour cette jupe à paillettes parce que du coup je trouve qu'elle ressemble beaucoup avec les paillettes. Bon, malheureusement elle est un peu haute, mais bon, tant pis, je pense qu'on trouvera pas mieux. Et du coup, là je suis à la recherche d'un haut bandeau, comme celui-ci que j'ai actuellement, mais version paillettes. Je ne sais pas si je vais trouver. Je trouve des hauts avec des diamants, des paillettes, mais avec genre, pas en bandeau en, comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, c'est en brassière, mais pas en bandeau. Et moi il me faut vraiment une en bandeau et qui brille, donc je vais essayer de trouver, sinon tant pis, on restera sur ce haut-là et on passera sur les cheveux. Oh my god, celui-ci il aurait été parfait en bandeau, je suis trop dégoûtée. Non, s'il vous plaît. Bon, on va regarder un petit peu plus loin encore. Bon, à la page 83, il y en a un qui brille un peu, mais c'est pas un vrai vrai bandeau en haut. Mais il brille, mais en plus il est VIP, donc je vais pas le prendre. Et puis là, bon, je suis déjà à la 84e page, je suis en train de perdre espoir. Je pense que je n'en trouverai pas. Mais à chaque fois, je me dis, ça se fait sur la prochaine page, il y a ce qu'il te faut. Ça se fait ma chérie, à la prochaine page, tu as le bandeau brillant avec les paillettes. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais allez, encore une page et je trouve pas. Et puis, ça fait 15 minutes que je suis en train de tourner les pages. Et merci à Yoko pour la salutation, merci beaucoup à toi. Et bah du coup, je pense... Oh, merci encore. Du coup, je pense qu'on va rester sur ce haut-là pour le moment. Et on va partir, bah du coup, je pense peut-être par les chaussures en premier, comme ça, ce sera fait. Alors, catégorie bottes, j'ai que 16 pages à tourner, donc j'espère qu'on trouvera le bonheur. Bon, comme d'habitude, on trouvera pas exactement la même chose, ça sera pas possible. D'ailleurs, c'est des chaussures qui ressemblent à celle-ci, mais qui sont compensées. Donc ici, il y a de la plateforme, pas compensée, de la plateforme, pardon, je dis de la merde. Ils sont un peu plus clairs, il me semble, plus dans les tons comme ça. Ou comme ça, je sais pas trop. On va voir ici peut-être. Voilà, plus dans des tons comme ça. Sinon, celle-ci, je pense qu'elle ferait l'affaire. Je pense pas qu'on va trouver mieux. Moi, je vais quand même vérifier, on ne sait jamais. Bon, finalement, je vais rester sur celle-ci. Elles sont bien. J'ai mis à peu près la couleur. Et du coup, on va partir sur les cheveux. Donc, comme je l'ai dit, je pense que pour les cheveux, on va essayer de partir sur des cheveux lisses plus un béret. On va essayer de refaire à peu près la même coupe. C'est parti, on recherche. Je suis tombée sur cette coupe dès la deuxième page qui me semble à peu près correcte. Par contre, elle a un blond un peu plus naturel. Voilà, un blond plus comme ça. En soi, les racines, on s'en fout un peu parce qu'on les voit pas avec le béret. Mais pour le moment, je suis assez satisfaite de cette coupe. Elle m'a l'air assez longue. Déjà, bon, il me semble qu'elle est un peu plus longue sur le pack. Mais elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Sur la troisième page, nous avons aussi celle-ci. On va essayer. Elle m'a l'air quand même un petit peu mieux. Il y a juste peut-être la mèche ici qui me dérange, qui est un petit peu différente que du pack. Mais sinon, ça reste quand même pas mal. Et merci à Karine pour la salutation. Merci beaucoup à toi. On va essayer quand même de changer la couleur pour voir si je suis mieux convaincue ou pas. Ouais, je suis quand même convaincue. On va dire que je suis convaincue. Bon, après ici, il y a lisse comme il faut et tout. Mais... Il y a celui-ci aussi, mais non, je préfère celui-ci, on va rester sur celui-ci, on va aller chercher le béret quand même. Ici nous avons un béret, on va dire, classique. Il est pas à l'envers. Ouais, on va dire c'est pas tout à fait le même béret, parce que le béret est censé être de l'autre côté avec des paillettes. On retrouvera pas la même chose, je vais quand même continuer à voir si je trouve quelque chose. Mais pour le moment là, le béret là me semble un bon choix, on va dire. Page 21, je suis tombée sur ça. J'ai envie d'essayer. En rose, ça donnerait quoi? Je sais pas, c'est bizarre. Il est bizarre, le béret là. Techniquement, il ressemble un petit peu plus à celui du pack. Mais il est pas beau. Je sais pas. Je vais réfléchir.
On est arrivé à la fin et écoutez, je vais prendre le béret celui-ci parce que le but de l'imitation c'est pas de faire un look joli imité, mais un look imité le plus ressemblant. Du coup, on va partir sur ce béret là. Et voilà ce que ça donne, mon entre guillemets final look. Bon, on va enlever les taches de rousseur et je vais vous le mettre dans les looks, voilà. Et je pense que la vidéo sortira le jour même. Voilà, parce que sinon je vous spoil. Je sais que si je le mets dans les looks, vous savez qu'il y a une vidéo imitation qui sort. Donc je vais vous le sortir, je pense, le jour même. Je vais le mettre. Bon, je dis des conneries, les taches de rousseur font partie de mon nez, d'accord. Ne me jugez pas. Et voici l'imitation Pâques juillet 2019. Voilà, parce que je ne sais jamais les noms des collections, du coup je préfère mettre les noms des mois. Voilà, donc envoyez pour les votes. Elle a les yeux fermés sur la photo. Dites-moi si l'imitation elle est réussie ou pas, ce que vous en pensez. Si vous voulez l'acheter, vous l'avez du coup dans mes derniers looks. Voilà. Et moi sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. Gros bisous à vous. Ciao, ciao.